Hey tout le monde, j'espère que ça va, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire ce que j'emporte dans ma valise plus 5 astuces pour bien ranger sa valise puisque quand on est en vacances, surtout pendant les grandes vacances d'été, on a hâte de partir en vacances, du coup on fait souvent la valise un peu rapidement et des fois on ne fait pas attention à ce qu'on met dedans. Du coup j'ai 5 astuces pour bien ranger sa valise et j'espère que cette vidéo vous plaît et on commence la vidéo maintenant. Alors déjà la première astuce que je pourrais vous proposer c'est de rouler vos vêtements pour qu'il y ait deux fois plus de place. Donc déjà on va commencer avec la base pour tous les types de saisons, vous partez en vacances et tout ça, la trousse de toilette. Ensuite comme je vous l'ai dit je pars un mois et demi, du coup j'ai pris 8 t-shirts que je vais vous montrer maintenant. Déjà j'ai pris un t-shirt comme ça de chez Adidas comme vous pouvez le voir comme ça. Donc je vais le rouler pour qu'il y ait plus de place dans ma valise. Ensuite, le deuxième t-shirt que j'ai, c'est un t-shirt comme ceci de chez Eleven Paris avec, je sais plus comment elle s'appelle dessus, Vanessa Paradis, je crois. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre de chez Eleven Paris, sauf que là, c'est Wonder Woman DC. Ensuite, j'en ai un autre, c'est un Abercrombie gris comme ça. Ensuite, j'en ai un deuxième comme ça qui vient de chez Jennifer. Un autre comme ceci qui vient de chez Converse. Alors pendant que je range mes trucs, j'ai une autre astuce à vous donner. Personnellement, je vous conseille de faire votre valise 3 jours minimum à l'avance pour être sûr de rien oublier. Et si vous avez oublié des choses, d'avoir le temps d'aller dans les magasins pour en acheter. Puisque en général, je pense que je ne suis pas la seule, j'oublie souvent d'acheter des choses. Et du coup, en 3 jours, on a largement le temps d'y aller. Ensuite, je prends un body comme ça de chez Jennifer. Ensuite, j'ai un autre body comme ceci, pareil, de chez Jennifer. Ensuite, j'ai une chemise comme ceci qui vient de chez Jennifer aussi, il me semble. Et là, quand vous avez toute place, vous essayez de faire des petits trous. Personnellement, moi je coupe ma valise en deux avec des vêtements quand il fait froid ou même quand il fait ni chaud ni froid. Et de l'autre côté, les vêtements pour vraiment que quand il fait chaud. Donc ensuite, de l'autre côté ici, je vais mettre tous mes bas. Même, parce qu'en fait, en été, souvent je fais du sport, je vais courir le matin. Du coup, j'ai pris pas mal de bas de sport. Premièrement, j'en ai pris un de chez Adidas comme ceci qui est basique. Hein, il est noir avec les traits Adidas. Ensuite j'ai le même, sauf que de la marque Nike, pareil les mêmes couleurs, sauf qu'il y a des dessins différents vu que c'est pas la même marque. Ensuite j'en ai un autre de chez Nike qui est comme ceci, que je trouve super beau, il y a marqué Nike en bas. Et la ceinture elle est élastique. Ensuite là on passe au vrai pantalon, et là c'est un pantalon, vous voyez les pantalons larges comme ça. Pendant l'été je trouve que c'est super pratique quand il fait mi chaud mi froid. Et ensuite j'ai le même mais pas exactement pareil, le même style, sauf que là il est noir et blanc et les motifs ils sont différents. Donc voilà pour le côté quand il fait froid. Et par dessus en général je mets un petit pull, donc là j'en ai pris qu'un, il est léger, du coup j'ai essayé d'en prendre un qui est assez léger et tout ça. Donc là quand vous avez des pulls, moi le truc que je vous conseille c'est de ne pas le plier mais juste de le mettre comme ça par dessus tous les vêtements. Parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Du coup voilà, vous mettez ça comme ça et puis c'est bon. Je rajoute une petite casquette avec qui vient de chez Nike également. Je rajoute un sac de plage qui vient de chez Little Marcel. Voilà. Ensuite une autre astuce à vous conseiller. Je vous conseille de ne pas trop charger votre valise pour pouvoir mettre ce que vous avez acheté pendant les vacances à l'intérieur. Avant de passer à l'autre côté de la valise, je voulais vous montrer les chaussures que je vais emporter là-bas. Donc là, je vais emporter deux paires de claquettes, donc deux paires d'Havaianas. Je vais également ramener une paire de pieds nus, ceux qui sont déjà rangés dans mes valises, dans l'autre valise. Voilà. Et je vais prendre également deux paires de chaussures. Je vais prendre des chaussures comme ça plutôt quand je courirai le matin et tout ça. C'est des URH Nike.
Et une deuxième paire de chaussures, celle-là c'est quand il fera froid. Quand il fera froid, c'est des Air Max 95 en blanche. En parlant de chaussures, j'ai une autre astuce à vous montrer. Quand vous mettez vos chaussures dans votre valise, je vous conseille fortement de les mettre dans des sacs plastiques ou bien dans des sacs papier pour éviter le contact entre les vêtements propres, puisque les vêtements en général qui sont dans votre valise sont propres, et entre les semelles de vos chaussures qui sont en général sales, à part si vos chaussures sont nouvelles. Et en tout cas, voilà, moi j'ai mis dans un sac comme ça. Ensuite, on va passer à tout ce qui est pyjama et tout ce qui est été. Donc premièrement, je vais vous montrer les débardeurs et tout ça. Donc là, les débardeurs que je mettrai sans rien au-dessus, on a celui-là, voilà. Ensuite, j'ai des débardeurs comme ça, tout simple, vous voyez les débardeurs qu'on met en dessous d'un t-shirt. Ensuite, j'ai deux débardeurs comme ceci. J'en ai un comme ça, gris, un peu délavé, qui vient de chez Undies avec des petits froufrous dans le bas. Et j'ai le même en blanc, comme vous pouvez le voir là. Et j'ai ensuite un débardeur comme ça, que j'ai acheté chez Undies, comme ceci avec des licornes roses dessus, il y a marqué Bad Habits. Ensuite j'ai un débardeur comme ceci qui vient pareil de chez Undies. Ensuite j'ai ramené trois pyjamas, un comme ça, donc là c'est un tout simple, un short avec les languettes orange, et un haut comme ça avec des flamants roses dessus. Voilà, c'est un pyjama, donc je m'en fiche un petit peu comment il est, s'il est marron, orange, rouge, jaune, vert. Ensuite, tout ce qui est robe, j'ai... alors là, je vais pas vous les laisser plier. Donc j'ai une robe comme ceci qui est orangée avec des petites perles dorées. Une robe en dentelle, une autre combinaison, un short. Puis j'ai un autre short comme ça, un short en jean, pareil, basique, vraiment. Un short gris et un short noir. On ferme la valise et puis c'est prêt. Vous pouvez partir en vacances. Donc voilà tout le monde, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour mon prochaine vidéo. Salut tout le monde.